Ligue 2, les Mastodontes économiques Saint-Étienne et Bordeaux vont-ils écraser le championnat Ces deux clubs relégués vont, tout comme Metz, toucher de nombreux revenus commerciaux et liés au droit TV. Mais ces pactoles ne leur garantissent en rien une remontée express. Au crépuscule d'un feuilleton rocambolesque, les Girondins de Bordeaux ont obtenu le droit d'évoluer en Ligue de la saison prochaine. Leur présence dans cette division, combinée à celle de Saint-Étienne, à l'affiche du premier match de la saison à Dijon, samedi 30 juillet, attire la curiosité. A2, ces historiques du foot français, cumulent 16 titres de champion de France et de finale européenne. Même relégués, les structures de ces deux clubs, qui ont joué l'Europe sur les quatre dernières saisons, font de des mastodontes d'une Ligue 2 dans laquelle les inégalités entre clubs sont importantes. Du fait des différents épisodes juridiques, il est difficile d'estimer l'état des finances bordelaises. Saint-Étienne a, de son côté, annoncé un budget de 30 millions d'euros. Ce sera le plus important du championnat. Mais ce n'est pas forcément extraordinaire, nuance Lucas Rondel, directeur de recherche au CNRS, et spécialiste d'économie du football. Quand Toulouse est descendu en 2020 à 21, ils avaient 26 millions d'euros. Des données tout de même largement au-dessus de la moyenne de Ligue 2, estimée à 10 millions d'euros. Les clubs qui descendent ont des budgets conséquents. Car ils touchent encore les droits TV de Ligue 1, poursuit l'économiste. Du fait de leur exposition et de leur popularité, Saint-Étienne et Bordeaux devraient engranger un pactole bien plus important que les clubs de L2. En 2020 à 21, ils étaient 8 et n'a au classement des droits TV de l'élite, recevant de ce fait plus de 20 millions d'euros.